Bien. Bonjour à tous. Notre septième direct, non, huitième direct. Aujourd'hui, nous étions partis à 7 ans, il y a quelques jours. Donc, c'était lundi. Et aujourd'hui, mercredi, nous repartons vers le centre de la France, vers Bourges, et plus exactement à Bourges, où nous allons retrouver notre artiste peintre Christian Perrier, qui normalement devrait être avec nous actuellement. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Je suis là, bonjour. Alors, apparemment, il y a des petits problèmes techniques que rencontre Christian pour, sur la vidéo et apparemment, tu n'as pas notre retour. Non. Je ne vois pas la réunion, bon. Bon, alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on va travailler à l'aveugle. Disons que pour Christian, ça va être un peu dur parce qu'il ne nous voit pas. Mais nous, on le voit bien, hein, donc voilà. Donc, on va pouvoir voir son travail. L'essentiel. Voilà. Fanou qui vient de nous rejoindre. Salut Fanou. Bonjour Fanny. Bonjour Fanou, pardon. Non Fanou. Donc bonjour à tous. Et voilà, donc plutôt que de parler du confinement, on en a un peu assez de parler du confinement, même si toutes les personnes que l'on rencontre au fur et à mesure de nos directs, c'est un petit peu pour se rendre compte de comment ils vivent ce confinement, ou du moins cet épisode de parenthèse. Pour certains, c'est la même chose, pour d'autres, pas. Aujourd'hui, donc, c'est Christian qui va nous parler un petit peu de ça, et après, donc, on présentera Christian Perrier, on vous présentera son travail. Donc, nous avons une œuvre qui est derrière nous, et donc, parler aussi de l'après-confinement, parce que je pense que c'est quand même important. Donc, Christian, si tu peux nous parler de toi. J'ai trouvé un truc pour toi, Christian. Avant de commencer, si tu veux, tu mets le doigt sur ton écran et tu fais circuler l'image vers la gauche. Et tu vas voir que tu vas rentrer dans la réunion. Je mets le doigt sur l'écran. Et tu envoies vers la gauche l'image. Et ça va changer, tu vas pouvoir voir la réunion. Voilà, oui, je vois. Voilà. D'accord. Alors, tu dois être avec nous, tu dois voir tout le monde. Taillé. Je vois en plus petit, mais je vois. Bon. À moins que si je tape, je vais peut-être voir en plus grand. Non. Un petit peu de toi, du moins comment sur Bourges ça se passe, et surtout dans ton atelier ou dans ton travail, comment ça se passe? Ouais, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que je vis d'habitude, hein, c'est-à-dire que je travaille tous les après-midi, voilà, comme cet après-midi. C'est peut-être même plutôt, j'ose pas dire mieux parce que bon, les circonstances sont dramatiques, mais disons que moi je suis plus serein là parce que j'ai pas d'exposition. J'avais une exposition qui était prévue, bon, c'est reporté aux Calendes grecques. Donc, je suis relativement isolé, je suis tranquille à la fois dans ma tête et dans mon travail. Et je prends le temps, d'innover, de chercher des choses, d'aller tranquillement. Je fais plusieurs collets à la fois, voilà. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue de mon travail, tout va bien. Et cet isolement et cette, on va dire, cette parenthèse ordonnée, en quelque sorte, ne te perturbe pas? Pas du tout, non. Du tout. La seule chose qui éventuellement préoccupe, enfin, c'est pas vraiment un problème parce que j'arrive à régler ça, c'est l'approvisionnement. Bon, là, j'ai une toute petite inquiétude parce qu'il y a du matériel qui va me manquer bientôt. Je vais essayer de commander, mais je suis un peu dubitatif sur les capacités de livraison des fournisseurs. Mais bon, à part ça, tout va bien. Bon. Et comment tu vois le après-confinement, c'est-à-dire quand on va tous sortir, qu'est-ce
en fait, quelle est la première des choses que tu ferais juste après? Je n'en sais rien du tout. L'après-confinement, je ne le vois pas du tout parce que je pense que ça va être très compliqué. Ouais. On ne va pas tous sortir d'un coup, ça c'est sûr. Je pense que ça va durer beaucoup plus que ce qu'on imagine. Oui. Et je, à la question « Comment vois-tu l'après-confinement ?», je réponds « Je ne vois rien ». Voilà. Bon, déjà tu vois sur les toiles, c'est assez, déjà c'est bien. Et est-ce que tu as peint pendant ça, enfin, puisque tu nous as dit oui, tu as peint donc, et tu pourrais nous montrer quelque chose ou quelques travaux que tu as exécutés, que tu as. Ce qui est en train là ou qui est pratiquement fini là. Oui. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, hop, ça bascule. Allez. Vas-y, prends ton temps. Vous voyez là, quelque chose? Oui, c'est pas ouais, chouette. Ok, bouge. Prends un peu de temps pour montrer le truc qui s'applique. Un petit peu plus de temps oui. Sur tes. Voilà. Pour qu'ils aient le temps, parce qu'on voilà, on a quelques personnes. C'est parfait. Voilà, super. Ah, on oui. A Jacinthe Chartrand qui est avec nous. Serge Ampart. Bonjour à ça, tous. Ce que tu me montres, c'est une toile récente? Ça, c'est des choses que je suis en train de. Oui, oui. Ouh, le petit à gauche. Voyons, montre-le. On n'a pas bien vu la petite toile à gauche. Voilà, celle-là, là, oui. Ah, tu veux dire? Ah, oui, c'est pas mal, ça. Ah. C'est une stèle? Si tu veux, oui. Oui. Oui, un héritage des stèles. Voilà. D'accord. Bien. Ah, mais bien. Ça a changé quand même. Celle du milieu, celle que tu es en train de montrer, celle-là, ouais. Il y a une tendance complètement différente. Pas si différent que ça pour moi, mais bon. Oui. Tiens, je vais montrer autre chose. Ça, c'est une toile que j'ai appelée une infante. Vous entendez ce que je dis là? Oui, on oui. Entend très bien. Ne bouge plus. C'est super. Ça, c'est une toile que j'ai appelée une infante parce que d'abord, j'ai un tableau moi, qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. C'est les Ménines de Velázquez. Oui. Je pense beaucoup aux Espagnols en ce moment. C'est plus dramatique que nous. Que tu passes comme ça sur un effacement comme un nuage, c'est très intéressant. Ça amène encore autre chose. C'est vraiment bien. On dirait que tu ramènes sur une même toile plusieurs expressions qu'on a vues dans d'autres travaux de ta part. Peut-être. Pas. Alors, Christian, je vais te dire, tu as peut-être des gens que tu connais. Il y a Alain Stosenbach. Excusez-moi si j'écorche un peu le nom. Il y a Nadia Barbotin, Anne Brérault, Lolita non, Moragues. Ça ne me dit rien. Enfin, peut-être de vue. Hein. Je les ai peut-être vus, je sais pas, dans des. John Charles Arnold. Bonjour à tous, en tout cas, merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. Et voilà, donc tu as quand même pas mal de monde qui sont là, qui regardent ton travail. Ben, bonjour. Oui, merci ton travail, c'est vrai que. Et alors, ce que j'aime bien dans ton travail, celle dont tu parles justement, qui a une consonance un petit peu espagnole, j'aime bien cette. Césure qu'il y a dans la toile hein, sur le côté. Oui, la bande noire là, oui. Oui. Oui, oui. Ben, c'est un peu. Moi, je vois la peinture espagnole comme ça en plus. La peinture espagnole, c'est il y a beaucoup de noir déjà. C'est une peinture tragique. Le tragique est très présent dans la peinture espagnole, que ce soit évidemment Goya, mais aussi. Mais aussi Velázquez, mais aussi Zurbarán, sont des peintres, Le Greco aussi, et c'est une peinture que j'aime beaucoup, moi qui m'impressionne beaucoup, ta pièce également, pour, voilà, et donc ça me parle moi. Moi je peins toujours avec le souvenir d'autres peintures, hein. Il y avait quelqu'un, ça m'a fait plaisir, parce que moi je n'osais pas le dire jusqu'à présent, mais maintenant je le dis. Il y a quelqu'un qui disait une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. Moi, je peins, j'ai besoin de la peinture des autres pour peindre, mais moi, c'est pareil. J'ai besoin de tout cet arrière-plan pictural dans l'histoire de l'art et dans, dans,
dans la peinture plus récente également. Oui, il y a une consonance, il y a quand même une, on va dire, une ligne assez classique, même si tu es avec un dialogue très particulier à toi, en fait, hein, puisque je me suis permis à un moment de t'appeler le syllabaire du trait, parce qu'en fait, c'était un petit peu comme si tu nous donnais les outils pour décrire et pour exprimer la nativité de l'abstrait. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a évoqué, en fait. Ouais, je vois pas très bien ce que tu veux dire, mais bon. En fait, que quand avec ton travail, si tu veux, que ce soit par les stèles ou que ce soit par les tout le travail que tu as, toutes les périodes que tu as évoquées dans ton travail, c'est comme chaque fois un petit caillou que tu mets sur l'explication et une traduction de l'abstrait, en revenant quand même et en t'attachant quand même avec les classiques, pour moi. Oui, sans doute, oui. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup de peintres, hein. On a tous un rapport avec les origines, avec l'histoire de l'abstraction, et puis le mot abstrait, d'ailleurs, moi je l'aime pas trop parce que... Oui. Parce qu'en fait, la frontière entre abstraction et figuratif. Elle est assez mince. Bon, la seule chose que je récuse, c'est une figuration littérale qui raconte des histoires. Ça, j'en veux pas. J'ai horreur de la peinture qui raconte des histoires. Parce que je trouve que c'est pas de la peinture. C'est pas de la peinture. Ça veut pas dire que ce sont pas des peintres, mais je veux dire. Oui. Ah, montre-nous qui c'est, on veut voir qui c'est qui t'appelle. Mais... Oui, non, c'est... Tu peux c'est tourner Monique. La caméra, hein. Monique. Bon, elle est partie. La peinture des autres nous nourrit. Attends, Christian, essaie de, éventuellement, ne bouge pas trop la caméra, parce que c'est un petit peu difficile à suivre. Et bon. Peut-être nous montre ton atelier aussi. On dirait que tu as l'atelier qui est parfaitement rangé. Qu'est-ce que... Je découvre un nouvel atelier, là. Qu'est-ce que tu as fait? Ah. Oui, non. Voilà, c'est bon. Allô? Oui, je disais, tu peux nous faire visiter ton atelier sans bouger trop parce que ça houle un petit peu à l'écran. Oui, mais j'ose pas trop vous montrer mon atelier parce que c'est le chaos. Hein. Ah ouais, j'ai pas l'impression, moi. Je bon, mais bouge plus. D'habitude. Montre. Ah, oui. Non, montre. Il va bien, attends, regarde. Voilà une belle visite. Par contre, il y a quelqu'un qui nous dit « La peinture des autres nous nourrit et notre peinture nous aide à comprendre et aimer celle des autres. » Ah bah absolument, oui. Tout à fait. Voilà, c'est les films de la Fure, voilà, qui nous dit ça. Oui, tout à fait, oui. Tu as aussi Nadia qui est sensible à l'atmosphère que dégagent tes nouvelles toiles. Elle est rentrée dedans apparemment assez rapidement, et donc tu peux être content du travail puisqu'il est vraisemblablement assez accessible. Et franchement, de le voir comme ça, ça nous fait plaisir. C'est des apparitions et disparitions. Mais là, en plus, avec le fait que tu bouges, c'est encore pire. Je montre des détails, là, tiens. Ouais. Ah, chouette. Ne bouge plus quand tu as le détail. Oui, bouge plus. Voilà. Tu as toujours la matière. Hein. Ah oui. Très important, la matière, pour moi. Bouge tout doucement, Christian, pardon. Voilà. En fait, ça permet aux spectateurs de rentrer dans ta peinture. C'est chouette. Puis techniquement, on lag un peu. Hein. Vous avez compris qu'on faisait avec les moyens du bord. Donc, on n'a pas des techniques de vraie télévision. On fait ça avec des liaisons téléphoniques. Mais c'est pas trop mal. Je suis content d'être avec toi, en tout cas. C'est un bon moment que tu nous fais partager. Il y a Capri Gascon qui nous dit « L'abstrait est une peinture qui se ressent, plonge dans l'émotion. » Oui. C'est en tout cas le but. Hein. Je ne sais pas si je l'atteins, moi, mais c'est le but. Si vous voulez, je peux descendre pour vous montrer d'autres peintures, parce que là, c'est celle de l'atelier.
Allez, on te suit. Allez, on te suit. Mais il faut que d'abord que je... C'est compliqué, il faut d'abord que je... Oh. Alors, nous avons un artiste qui risque de... d'avoir un accident d'escalier. Il chute en direct. À ce point. Oh, oh, dis donc, c'est raide. Ben oui, c'est la fameuse oui. marche, il enlève l'escalier. Bon, voilà, je descends. Regarde. Oui. Allez, je te mets un grand écran. Alors, ils sont très contents, apparemment. Nadia Jastin-Barbotin, par exemple, elle est ravie de pouvoir partager cette visite d'atelier. Voilà, je vous montre une toile. La voyez ? Oui. Pas le bas. Elle est... On ne voit pas le bas. Tu coupes le bas de la toile. Descends un peu le téléphone. On ne voit pas la partie basse. Vous voyez là ? Bonjour André. Oui. Mais pas le bas. Ah, tu veux dire celle du haut ? Non, mais on la connaît, celle du haut. Celle du haut, on la connaît. Celle du bas, on ne la voit pas bien, que tu veux nous montrer. Il faut que tu descendes là. Déjà, tu as envie de lui prendre le téléphone. Voilà, voilà, super. D'accord. Ah, waouh. Il y a un mouvement en ce moment, je trouve, dans tes toiles. Oui, peut-être. Ouais. Peut-être. Vitesse. Wow. Celle-ci. Ah, celle-ci, voyons, montre-nous l'entière. Vous la voyez en entier ? Oui, oui, descends un peu, vise vers le bas, s'il te plaît. Non, voilà. Voilà, comme ça. Ah, superbe. Ouais, très belle. Ah, bien ça, oui. Ouais, j'aime beaucoup. Marrant. Oui, à nouveau, les constructions que l'on connaît et que tu as travaillées différemment et tu amènes dans un nouvel univers. Très riche, bravo. Bonjour Isabelle Kerr. Fanou, t'aimerais voir la petite rouge. Je ne vois pas ce que c'est la petite rouge. Elle veut voir la petite rouge. C'est quoi la petite rouge ? Ça et, je ne sais pas. Peut-être. Dis-nous, oui, Fanou. Oui. Ah, ça a l'air d'être ça. Ah oui. Peut-être. Ok. Ah, on a des cœurs apparemment. Ouais, elle est très belle. Mais j'avoue que celle, la sombre là, qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a de la vitesse, il y a de la lumière. Mais il est magnifique l'atelier. Tu nous dis qu'il n'est pas rangé. Écoute, tu vas faire des envieux. C'est pas l'atelier, ça. C'est en dessous de l'atelier, ça. C'est en dessous de l'atelier que j'ai eu. J'ai eu des visiteurs, donc il a fallu que je range un peu. Ah, l'artiste a été... Tiens, je vous montre des détails, de la matière. Alors, par exemple, tu pourrais nous dire la matière que tu utilises, hormis bien sûr de l'huile, mais est-ce l'huile, que... Tu... Hein. De l'acrylique, pardon, excuse-moi, ouais. J'étais avec l'huile, là, avec Raymond c'est... Athanasio. Est-ce que tu as du marouflage avec des papiers ou des... Oui, oui, j'utilise beaucoup des papiers Japon, notamment. Mm-hmm. J'utilise beaucoup de papiers Japon, de collage. Il y a un ami peintre qui m'a donné un matériau qui est intéressant, c'est de la colle de riz. On réduit du riz en poudre, on moue du riz et puis on le fait chauffer dans de l'eau et ça fait une colle qui est très intéressante, qui est bon marché et qui est très intéressante. Voilà. Fanou, on ne pas la mauve, le mauve. Je ne vois pas laquelle c'est mauve en fait. Ah, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Oui, je pense que c'est celle-là. Pardon Elle voudrait toi, voir la, celle que tu as juste au-dessus, je pense, hein, qui est dans les bleus mauves. Voilà, celle-ci, je pense. Celle-là ? Oui. Il y a une citation de la part d'un auditeur. Je vois partage, mais c'est une citation de Cézanne. Je vois partage où l'innocence du premier voir avance en outre l'apprentissage du langage. Ici, il y a plutôt éblouissement, non ? C'est une question pour toi. Là, en l'occurrence, non, je ne parlerai pas d'éblouissement, non. Non, c'est plutôt des structures qui se cassent un peu la figure, des. Voilà. Oui, Fanou est ravie, c'était celle-là qu'elle voulait voir. Ah. Des choses qui. Voilà. Éblouissement, c'est peut-être ce qui se passe avec derrière les stèles. Tu sais, la lumière qui sort parfois derrière tes. Voilà, comme celle-là. Comme les deux qui est au-dessus. Waouh. Wow. Ah oui, sympa ça. Ou ces lumières que parfois tu fais apparaître derrière un premier plan. Mais il y a. Tu trouves pas il y a des nouvelles dynamiques. Oui, oui, tu vois sur les stèles à droite, il y a comme une lumière derrière ces sortes
de personnage minéral qui habite. Voilà, tu vois, c'est peut-être ça dont parle la personne qui regarde ton travail. Et c'est vrai que tu as souvent travaillé cette lumière cachée qui vient un peu éblouir C'est des constructions. l'observateur. Je trouve que c'est des constructions en attente d'une confirmation. Ça me C'est paraît, celle-là. Dis donc, c'est récent, ça, ou j'ai jamais vu celle-là, ça ne me parle pas. intéressant, oui, bien sûr. Ah, mais tu bosses, ça Mais fait dis longtemps. donc, tu en as fait Ah combien à ben peu oui, près pendant le confinement? Comment? Pendant le confinement, tu en as fait combien à peu près? Ben, depuis 15 jours, là, j'ai dû en faire, je sais pas, 4. Ah. Bon. Il y en a une autre, là. Oh, c'est marrant. Vraiment, tu reprends ton écriture et tu la conjugues. C'est très intéressant. Bravo. Tu coupes un peu le bas. Si tu peux cadrer plus bas. Voilà, ne coupe pas le bas. Ouais, allez, voilà. On la voit bien. Elle est bien construite. En plus, c'est. Voilà. En fait. La question délicate qu'on pourrait poser et que j'aimerais bien poser Pose ta question délicate, n'ayez pas peur, oui, c'est pose-moi ta vraiment, question. non, c'est avoir ton avis parce que c'est quelque chose qui me taraude en ce moment. Bon, le confinement, on est en train de se rendre compte que il est en train de s'étirer un petit peu plus comme un élastique là, et je pense qu'on va aller vers les 6, 7, voire 8 semaines. Et donc le déconfinement, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas tout de suite. Et puis ça va pas être, à mon avis, d'un coup. Donc ce dont j'ai peur, c'est comment va se passer à la fois les expositions et comment les artistes, vous qui en fait, vous êtes des traducteurs de l'image et des ressentis. Comment on va faire quoi? Enfin, c'est voilà, c'est Ah moi ben ça me y taraude. a plein de questions là dans ce que tu dis. Du Ouais. point de vue pratique, effectivement, ça va être compliqué pour tout un tas de pour tout un tas d'artistes parce que les lieux, les galeries, les choses comme ça. Bon, je pense qu'il y a des galeries qui vont fermer de toute façon parce qu'ils pourront pas tenir le coup. Je crois que il faudra que les pouvoirs publics prennent des initiatives fortes. D'organiser des expositions, d'organiser systématiquement des expositions, de mettre enfin en pratique. Moi, il m'est arrivé une aventure récemment, là. Je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un décret qui est paru du ministère de la Culture qui demande aux structures culturelles de rémunérer les artistes quand ils font une exposition. Pas vraiment dans les galeries, hein, parce que bon, les galeries, il y a un côté marchand, bon, mais dans, par exemple, un musée ou un centre culturel est censé rémunérer les artistes comme un musicien qui fait une prestation, comme une pièce de théâtre, etc. Bon, on paye Oui. les artistes, on leur donne un cachet, voilà. Et je devais faire une exposition au musée de Chinon. Avec un ami qui est céramiste, on a un travail qui se fait écho un peu l'un et Oui. l'autre. Et bon, le principe de l'exposition était acquis, la conservatrice était tout à fait intéressée, et on a posé la question du moyen, de la manière de la compensation qu'on pourrait avoir, parce que bon, il n'était pas question de vendre, on ne pouvait pas vendre dans ce musée. En plus, il faisait payer l'entrée. On a demandé soit que la mairie nous achète quelque chose, soit qu'il nous donne une indemnité, etc. Bon, ça a été un refus catégorique. Donc, je crois qu'il faudra que ça évolue de ce point de vue-là, parce que Bien sûr. y a beaucoup d'artistes qui vont se retrouver dans une. C'est déjà le cas. Il y a des artistes qui sont déjà dans une situation extrêmement précaire. Oui. Parce qu'ils vendent plus, parce que bon, par exemple mon ami céramiste là, ben, il fait plus de, il peut plus recevoir chez lui déjà, il fait plus d'expositions, il participe en général à des salons, à des choses comme ça. Et donc voilà, donc de ce point de vue-là, tu me posais une question sur la façon dont le confinement va se terminer. Il faudra qu'il y ait des initiatives, qu'on multiplie les expositions.
Peut-être, moi, bon, ça c'est mon, je sais que c'est un sujet assez brûlant et délicat sur lequel j'ai souvent parlé et qui n'a pas beaucoup d'écho. Moi, je crois qu'il faudrait revoir les prix des peintures, bon, les revoir à la baisse, j'entends, parce que il faudrait que les choses se diffusent beaucoup plus. Est-ce que tu peux retourner en appuyant sur l'écran, Comment? est-ce que tu peux retourner la prise de vue vers toi quand on te voit en parlant parce Ah que oui, je veux bien, oui. je Voilà. trouve que c'est intéressant tes propos et tu mets le doigt sur quelque chose de vraiment important, peut-être sur l'avenir de l'art et de sa réalité, de son existence dans la société, c'est pas évident. Trouver une articulation financière, c'était déjà compliqué. Aujourd'hui, avec l'évolution que l'on rencontre et peut-être beaucoup de freins sur la mondialisation, il y a peut-être quelque chose à regarder. Ça mériterait d'être regardé de plus près. Si tu as des idées de partenariat avec la galerie qui te semble opportun, je sais que tu es un garçon qui a une grande culture littéraire, donc c'est intéressant de trouver dans l'histoire des pistes et peut-être de les adapter à aujourd'hui. Je pense que c'est des propos et des questions qu'il faut laisser ouvertes et pour demain justement les mettre en œuvre. C'est dans cet esprit que je ressens que c'est Je bien de. crois qu'il je crois tu vois une piste par exemple éventuelle, ça serait de solliciter. Alors, le problème, c'est que au niveau des structures culturelles, disons officielles, on a beaucoup privilégié une forme d'art très très particulière, très très avant-gardiste, très bon, avec une poignée d'artistes qui se partagent un petit peu la scène, hein, et qui monopolisent les subventions, les expositions, etc. Et on assiste à un phénomène où dans les lieux officiels, les fracs, etc., bon, c'est toujours les mêmes artistes qui exposent, avec peu de public finalement, avec un écho parfois assez réduit. Hein, moi, je me suis trouvé une fois au frac de Besançon, c'était désespérément désert. J'y suis resté un bon moment, c'était complètement désert, sauf je dirais pas une armée parce qu'ils étaient trois, mais des animateurs, des jeunes qui voulaient à tout prix m'expliquer ce qu'il y avait, qui étaient extrêmement fébriles pour m'expliquer le travail qui était exposé, qui voulaient à tout prix que je sois là et que j'adhère à ce qui était montré. Bon, et ça, je crois, j'ai vu le cas aussi au frac de Corté en Corse. Je crois que c'est un problème. Je crois qu'il faudrait que les structures culturelles soient beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus pluralistes en matière de formes d'art. Et alors, je disais une initiative peut-être qui pourrait être prise au moment du déconfinement, c'est de solliciter les municipalités. Par exemple, à Toulouse, bon, je pense qu'il manque pas de lieux Bien sûr. assez vaste et assez bien installé. Je parle ben, le musée des Augustins, les abattoirs, enfin des lieux À comme ça, fait. et demander à ce qu'il y ait des expositions des artistes, de grandes expositions d'artistes, Oui, comme des salons, oui, tout à fait. voilà, comme des Oui, salons, tout à mais fait. voilà, et que les artistes puissent massivement exposer, rencontrer un public, etc. Parce que finalement, il y a tellement. Christian, C'est tout le on monde va être existe. obligé de. Parce qu'on est sur Zoom et malheureusement, On on doit a rendre trente l'antenne. minutes et Voilà, on 30 doit rendre secondes. l'antenne. Donc, Bon, ben rendons l'antenne. non, Non, mais. non, on reprendra ce débat qui est extrêmement Ah oui. intéressant, puisqu'on est là tous les 2 jours. Si vous êtes intéressé par l'étoile de Christian, contactez-nous, elles sont toujours à la vente. C'est pour ça aussi qu'on montre les artistes. Il y a Capri Gascon qui dit qu'elle a créé une toile qui s'appelle Pandemia. Elle dit, elle 52, parle d'elle-même. on vous Elle aime. dit, voilà, que la musique va sortir. Oui, c'est pas grave Elle la dit musique. ça. Je préfère vous dire qu'on vous aime et qu'on vous embrasse et prenez bien soin de vous. Merci en tout cas, Bon, Christian, d'avoir merci. été avec nous. Merci à vous. Allez, à Merci. bientôt. La Au musique. revoir. Merci, Christian. Au revoir. Rester en ligne, on fait le finish. Oui, On on est met le avec toi, jingle de hein. la fin, si on y arrive. Oui. Des fois, on fait, des fois, on réussit pas. Vous la reconnaissez? C'est l'hymne de Café au thé, Thé au café, une émission qui se fait sur Toulouse en présence des artistes. Merci en tout cas à tous.
On se languit de vous retrouver, on se languit de partager ces instants, c'est pour ça que nous sommes là. À bientôt. Tu nous manques. À quand? À vendredi. 16h en direct. Et vous retrouverez l'émission sur la chaîne YouTube de la galerie. T'es merci toujours là, Christian? Oui. Ah, tu nous manques. Hein. Oui, à bientôt. À bientôt. Attends, tu peux rester en ligne. Hein.